Bonsoir Géraldine Savary, installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Pendant que je vous précise que dans cette séquence, vous ne pourrez répondre à mes questions que par oui ou par non. Vous avez bien sûr le droit de garder le silence, de sourire, de grimacer, de grogner ou de vous curer le nez même. Mais vous le savez aussi bien que moi, tout sera évidemment retenu contre vous par le public. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Géraldine Savary, vous préféreriez que cet entretien soit déjà terminé ? Oui. Regrettez-vous carrément d'avoir accepté notre invitation ? Pas encore, non. Non, non, pas du tout. Vous aurez 50 ans dans 3 mois. Ça va, vous gérez ? Non. Est-ce que vous mangez de la viande, Géraldine Savary ? Oui. Vous êtes d'accord avec le combat des antispécistes ? Non. Si l'une de vos filles décide de caillasser une boucherie, vous la félicitez ? Non. Globalement, vous êtes heureuse, Géraldine Savary ? Très. Avec l'âge, vous vous sentez toujours autant de gauche qu'à vos débuts ? De plus en plus, malheureusement pour certains. Christian Levrat est-il le meilleur président de parti que le PS puisse rêver ? Oui. Ma voix, ça va, elle vous plaît ? Pardon ? Ma voix, ça va, elle vous plaît ? Votre voix est magnifique. Vous trouvez qu'on vous parle trop souvent de votre mari Grégoire Junot, syndic de Lausanne ? Au moins, comme je le vois pas beaucoup, ça me permet de penser à lui comme ça. C'est un drôle de oui, ça, hein ? Ouais. Est-il moins de gauche que vous ? Non. Vous trouvez qu'on vous parle trop souvent de votre mari Grégoire Junot, syndic de Lausanne ? Non, non. C'est vous qui l'avez dragué en premier ? Oui. Dans une dispute, vous lui avez déjà balancé « De toute façon, moi je suis à Berne, puis toi t'es que syndic ». Oui. Je l'attendais pas, celle-là. Prendre le train en Suisse, c'est beaucoup trop cher, non ? Oui. Vous êtes notamment présidente du conseil de fondation de la CMA, la Fondation Romande pour la chanson et les musiques actuelles. Je vous laisse écouter attentivement cet extrait. Il aurait mieux valu si j'avais su rester de glace, se fondre dans le décor. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre est un artiste roman ? Oui, je dirais, c'est pas Alios. Aïe, 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 aïe. Vous regrettez d'avoir autant parlé de votre grossesse au début de votre carrière ? Non. Vous n'avez pas l'impression que dans une élection, la personnalité est plus importante que les compétences ? Non. Ça vous agace de savoir qu'en tapant votre prénom sur Google, vous arriviez après Géraldine Fasnacht et Géraldine Coiffure ? Pour Géraldine Fasnacht, non, parce que je l'ai rencontrée, c'est une fille vraiment magnifique. Encore une fois, c'était un oui très très long. C'était un oui un peu long. Est-ce que certains de vos amis votent UDC ? Non. Des membres de votre famille, alors ? En tout cas pas, non. Même pas un vieil oncle un peu raciste ? Non. Donald Trump est-il un homme politique dangereux ? Oui. Donald Trump est-il un homme politique ? Oui. Le cinéaste Fernand Melgar voudrait éradiquer le trafic de drogue à Lausanne avec des actions citoyennes dans la rue et des photos de dealers sur les réseaux sociaux. Vous approuvez la méthode ? Non, pas la méthode. Vous êtes d'accord avec lui sur le fond ? Oui. À l'époque, vous étiez en faveur de la dépénalisation du cannabis. C'est toujours le cas ? Oui. Vous avez fumé un joint récemment ? Pas récemment. Vous avez fumé un joint récemment ? Non. Vous avez déjà essayé une drogue un peu plus dure ? Oh, mais c'est un gros oui, ça. Le Parti Socialiste rêve de dépasser les 20% aux élections fédérales l'année prochaine. Avouez, vous prenez de la drogue au PS. Non, 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 prends pas de drogue. Vous avez déjà imaginé changer de parti ? Non. Est-ce qu'un jour, vous allez tout plaquer pour aller ouvrir un food truck en Nouvelle-Calédonie ? Oui. Est-ce que vous pourriez accueillir un migrant chez vous ? Oui. L'avez-vous déjà fait ? Pas encore. Nous sommes en 2006, c'est la journée mondiale pour le droit des femmes, vous êtes questionnée par Darius Rochebain et à un moment vous dites ça. Entre le choix de la vie professionnelle à 150% et puis une vie familiale, eh bien elle préfère travailler à temps partiel. Géraldine, est-ce qu'en 2018 les femmes veulent encore travailler à temps partiel ? Non. Vous voyez toujours au Conseil fédéral un jour ? Je vois rien du tout, je vois que cette caméra et votre voix magnifique, mais au-delà de ça, je vois pas grand-chose. Est-ce que vous avez toutes les compétences pour le devenir ? Je pense pas, non. Si vous étiez un homme, vous seriez déjà au Conseil fédéral ? Ben, il y a Alain Berset déjà.
Vincent Cuchol est-il plus drôle que Vincent Veillon? Oui, il y a Vincent Cuchol. Vincent Veillon est-il plus drôle que votre mari Grégoire Junot, syndic de Lausanne? Oui. Vous avez déjà défendu des dossiers que vous ne maîtrisiez pas? Oui. Vous avez déjà menti à un journaliste? Oui. Est-ce que vous m'avez menti, Géraldine Savary? Oui, sans doute. C'est pas grave, je suis pas rancunier. Est-ce que vous estimez avoir survécu à cet entretien? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir survécu à cet entretien? Je sais pas, faut demander au public, oui. Merci beaucoup, Géraldine Savary. Je vous libère.